inspirational stories that will motivate you. Luxembourg is a paradise for lovers of old cars. Well-preserved, empty and scenic roads seem made for recreational. It's easy to organize your own private tours, or you can participate in events organized by the dozens of local clubs. There are also numerous old-timer gatherings and markets across the country, throughout the year. You can even check the annual events calendar at visitluxembourg.com. But before traveling the pretty green roads of the Grand Duchy, behind the wheel of an old car, we met an expert eye on the field to get some advice as how to buy an old-timer. Bonjour Laurent, bonjour, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans cet bel espace situé en plein cœur du Luxembourg pour nous montrer exactement, pour nous dire quelques histoires racontées sur des voitures anciennes. D'où vient cette passion pour les voitures classiques? C'est une tradition familiale. Depuis mon grand-père, ça fait donc 3 générations qu'on est dans ce métier-là. Mon grand-père était concessionnaire automobile, mon père a travaillé avec mon grand-père, j'ai travaillé avec mon père et maintenant je suis moi installé ici au Luxembourg. Donc ça fait très très longtemps que ça fait partie de notre ADN. Mais vous êtes français. Alors pourquoi le Luxembourg? Juste le hasard. Okay. Il y a quelques années, j'ai fait connaissance de ma femme en vacances. Moi je suis parisien, elle habite pas très loin d'ici. Et j'ai décidé de la suivre et avec la proximité du Luxembourg, j'ai décidé de m'installer au Luxembourg. Donc c'est vraiment le fruit du hasard. Mais pourquoi, Laurent, les voitures vous provoquent exactement des émotions? Vous m'avez parlé des émotions. Oui, mais les voitures anciennes provoquent des émotions profondes parce qu'en fait, ça fait appel à la nostalgie de chacun. D'une manière ou d'une autre, qu'on soit passionné ou non de voitures, on a un rapport avec les voitures anciennes. Ça peut être la voiture dans laquelle on partait en vacances avec ses parents, ça peut être le bruit d'une voiture américaine qui passait devant l'école, ça peut être la forme incroyable d'une Jaguar Type E qu'on avait vue dans un magazine. Ce n'est pas juste un moyen de transport, ce sont des autos qui étaient d'abord belles, qui provoquaient des émotions par leur esthétique, qui ont un bruit, qui ont une odeur, qui ne sont pas du tout aseptisées. Aujourd'hui, les voitures, elles doivent être pratiques, elles doivent être fonctionnelles, elles ont des raisons précises d'exister. À l'époque, il n'y avait aucune raison. Il y avait un designer qui faisait un bel objet, des ingénieurs qui faisaient un beau moteur, et c'est tout. Ça devait simplement être quelque chose qui était une projection de soi-même. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais qu'est-ce que vous attire le plus? C'est la carrosserie, c'est le design, c'est la mécanique, c'est quoi en fait? C'est tout. Ça va être la beauté d'une carrosserie, ça va être le bruit d'un moteur, ça va être l'odeur d'un cuir particulier, ça va être l'odeur de l'huile chaude, l'odeur de l'essence. Ça fait appel à tous les sens. L'esthétique, c'est la vue, le bruit, c'est l'ouïe, l'odeur de l'huile, l'odeur de l'essence, c'est l'odorat. J'imagine tout le ça. Bruit du Ferrari. Que vous avez le bruit d'une Ferrari, exactement. Le bruit d'une Jaguar, d'une Aston Martin, tout ça c'est très différent. Le bruit d'une Mustang, tout ça, ça fait appel à quelque chose qui rentre en résonance avec vous-même. C'est pour ça que les personnes achètent les voitures classiques, c'est parce que ça le fait rappeler la nostalgie. Oui, et puis encore une fois, bien souvent, lorsque les gens sont à l'époque de leur premier achat de voiture ancienne, ça leur permet de réaliser quelque chose qui leur tient à cœur depuis toujours. Ça va être, par exemple, s'offrir la voiture de leur date de naissance. Okay. Quelqu'un qui est né en 63 voudra une voiture de 63. Okay. Quelqu'un voudra racheter la voiture que son père ou que son grand-père avait. Il y a toujours un lien personnel. C'est pas seulement j'achète cette voiture pour aller au travail ou aller chercher du pain. Non, j'achète cette voiture pour ne rien faire de tout ça, pour prendre mes enfants, pour prendre ma femme et aller faire une balade dans les belles routes, où que ce soit. C'est vraiment un moment à part. C'est plus que prouvé, les voitures classiques ont atteint des très bons résultats, non seulement au Luxembourg, je crois. Mais quel est exactement le motif? Les personnes le cherchent plus maintenant ou c'est toujours comme ça? Non, c'est toujours été. Vous savez, comme je l'expliquais au tout début, nous, ça fait très longtemps, ça fait, pour ma famille, ça fait 50 ans qu'on vend des voitures de collection.
Mais en fait, il y a plusieurs raisons logiques. Par exemple, ce sont des véhicules qui ont été produits à un nombre déterminé. Ça veut dire que quand vous avez un modèle produit à 500 exemplaires, il y a 500 exemplaires. Il n'y en aura pas 501, il n'y en aura pas 502. Il y en a même souvent moins de 500 parce qu'elles n'ont pas toutes survécu. Et à partir de ce moment-là, vous avez en plus, effectivement, de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et plus la demande augmente, plus la valeur augmente. Mais en fait, ça n'est pas vraiment le fond de l'intérêt d'acheter des véhicules anciens. Les gens qui investissent, même si j'aime pas beaucoup ce mot, finalement le font parce qu'ils vont sécuriser l'argent qu'ils mettent dans les autos anciennes. Ça n'est pas une dépense, une voiture ancienne. C'est en fait, on déplace des capitaux disponibles sur quelque chose qui ne perd pas de valeur. Et ce qui veut dire que si quelque temps après, on veut arrêter, on veut la revendre, eh bien, on récupère ce qu'on a investi dedans. Alors, est-ce que vous avez un type d'âge de client qui le cherche ? On a une clientèle de plus en plus jeune qui souhaite avoir des véhicules anciens. Tout simplement parce que, je pense, il y a de plus en plus de limitations, de plus en plus de contraintes pour rouler avec les voitures aujourd'hui. Et avec une voiture actuelle, quand vous devez rouler les contraintes de vitesse, les contraintes de circulation, à quoi bon avoir une voiture qui roule à 300 à l'heure si on ne peut pas dépasser le 90, par exemple. Donc ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect aussi, c'est que ça permet un petit peu d'être différent. Là où tout le monde a la même voiture, aujourd'hui on va passer une heure devant mon showroom et on va voir toutes les couleurs du gris possible, mais pas vraiment jusqu'en autre chose. Rouge. Et là vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre que ça, alors qu'avec les anciennes, on a des formes différentes, des couleurs différentes et une approche totalement différente de l'automobile. Ah, Patricia, voilà le showroom avec toutes ces merveilleuses voitures des années 40, 30, 60. C'est vraiment... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et voilà. Bienvenue à vous deux. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Écoutez, merci beaucoup Laurent, et je crois qu'il y a une phrase qui résume bien cet endroit que je pourrais définir comme magique. Si l'aventure vous paraît parfois dangereuse, essayez la routine, elle est toujours mortelle. Une question qui me vient à l'esprit. Quelle est votre voiture préférée ? Pour moi, c'est très compliqué de répondre très précisément avec ça, puisque j'ai quelque chose pour chacune des voitures qui nous entourent. Cette Alfa Romeo de 1930, qui est une voiture de course extraordinaire, apporte des sensations particulières. Dans les voitures qui nous entourent, on a une magnifique Jaguar Type-E, des Jaguar XK, des Aston Martin. En fait, chacune vous apporte quelque chose de particulier et très différent. Donc, laquelle je préfère, effectivement, j'ai un amour particulier pour les voitures anglaises, mais très sincèrement, aller faire une balade dans cette magnifique Alfa Romeo ou dans cette Ferrari Daytona est tout aussi intéressant. J'aurais justement, à propos de ça, une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous auriez une anecdote ou un souvenir à nous raconter qui vous a marqué dans votre carrière ? Le problème, ça va être plutôt d'en choisir un, parce qu'il y en a énormément. Mais en fait, je dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est le partage. Toutes ces autos ont un dénominateur commun, c'est qu'elles sont animées de la passion de leurs propriétaires. Et à partir du moment où on est passionné, on aime partager. Alors, mes meilleurs souvenirs, ça va être plutôt des moments de partage sur des rassemblements, quand on va à Goodwood ou quand on fait des rallyes, ou tout simplement quand on fait des événements ici. C'est vraiment ce partage, cette communion qu'on a autour de cette passion commune. Je ne peux vraiment pas vous donner une anecdote particulière. Laurent, vous m'avez confié un petit secret à propos de votre passion pour les chaussures. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Et surtout, je crois, les New Balance. Oui, alors oui. J'aime beaucoup les sneakers, les New Balance. Je trouve qu'ils ont des formes et des couleurs. Les chaussures, oui, ça en fait partie, effectivement. C'est toujours lié à l'artisanat, en fait, quelque part. Il y a toujours un lien à ça. Alors pour ce qui est des sneakers, beaucoup moins, là c'est plus le fun. Parce que là, on peut avoir des chaussures très confortables avec des couleurs comme les vôtres. Là, c'est vrai qu'elles sont très chouettes. Mais effectivement, finalement, tout ça, ça se rapproche. Et il y a vraiment un dénominateur commun qui est la passion et l'artisanat.
quelle vraiment valeur ajoutée vous apportez sur le marché? Je crois que ça tient surtout à quelle est la philosophie de mon entreprise. Pour moi, ce qui compte avant toute chose, c'est qu'un client soit satisfait, content, et surtout qu'il revienne me voir après. Donc, je ne veux pas à tout prix vous convaincre que, par exemple, c'est cette voiture qu'il vous faut. Dans un premier temps, on va longuement discuter pour que je comprenne vraiment quel est votre projet. Et en fonction de ce qu'est votre projet et de ce qu'est l'attente que vous allez avoir d'un véhicule, quel qu'il soit, là, je saurais vous dire, vous devez plutôt vous diriger sur tel, tel ou tel autre modèle. Est-ce que vous avez déjà eu quelques demandes d'un client, quelque chose qui n'était pas atteignable? Non. Sur demande? Non. Non, parce qu'en fait, ça n'est pas possible que ce ne soit pas possible. OK. On fait tout, c'est toujours on fait tout sur mesure. Tout est possible. La seule limite, c'est l'intégrité des voitures. Jamais je n'accepterai de mettre un moteur de Corvette dans une Jaguar. Jamais. Par contre, aucun problème pour accepter que le client ait une couleur particulière, qu'il ait un intérieur de tel cuir ou tel type de tissu, ou qu'il ait de meilleurs freins ou une meilleure boîte de vitesse, puisque en fait, on peut toujours faire comme on veut. C'est tailor-made. Je ne fais que du tailor-made. Okay. J'ai la possibilité de répondre à toutes les questions sans jamais avoir à dire non. Non, ce n'est pas possible. Merci Laurent de nous avoir accueillis dans ce lieu magique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, Patricia. Non, non, effectivement. Merci beaucoup. C'était merveilleux. J'étais très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Et surtout, ne manquez pas le prochain programme. Yes, effectively. Don't miss our next program. It will be brilliant. Bye.